Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Charlax. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de contrôle. On en était au département de recherche. Mon ventilateur est fort. Au département de recherche où on devait trouver. Voilà. La pierre noire. On avait fait le boss qui était là, Casse-Couille-Man, là. Et on devait retourner. Alors, on cherchait le docteur Casper. On cherchait Casper, The Friendly Ghost. N'arrête jamais de venir me faire chier. Elle est où la boule? Ils disent qu'il y a une boule. Elle est là. La boule magique! Constatez le résultat. Et oh! It's more like a big ball, you know. C'est comme une grosse boule. Je regardais le son. Voir si ça vous cassait pas trop les oreilles. Normalement, c'est bon. Mais ça va. Voilà. Au pire, prends ça à la tronche. Un sup. C'était quoi ça? Un canard en plastique. Du vide. Canard en plastique. Ah. Analyse de l'objet altéré numéro 52AE, deuxième session. Je commencerai par essayer divers stimuli sur l'objet. D'abord une faible décharge électrique. D'accord. Il le tase. Je vais ensuite augmenter sa température à l'aide d'un bec Bunsen. Pas de réaction. Ensuite, différentes solutions seront appliquées, chacune avec un pH différent, allant de 0 à 14. Pas de réaction pour aucune valeur. Je vais ensuite tenter de communiquer. Pouvez-vous me comprendre? Comprenez-vous mes mots? Le canard? Si vous comprenez, captez. Pas de réaction. Fin de la deuxième session. Nous avons besoin de temps pour préparer d'autres. Mais je veux le canard! Comment on y va? Je veux le canard. En plus, c'est un objet altéré, donc il me donnera des pouvoirs. Ah, ça c'est bien. Mais il faut qu'on aille récupérer le canard, les gars. Il est là. Hein. Il me regarde. Il me mate. Skip au fond à droite, là, il y a des portes. Ah oui, c'est ouvert en plus. Nickel. Barrez-vous. Barre-toi. Ok. Ok. Ouais, mais comment je... Non, mais il y a bien un moment, on va avoir un pouvoir pour voler. C'est pas possible, en fait. Au moins faire des sauts un peu haut, parce que... Le trois quarts des endroits, comme ça, là, je peux pas y accéder. Alors, je veux bien essayer de maroufler le jeu, mais... Je pense pas que c'est le comportement normal que les développeurs ont prévu, quoi. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est un bug, hein. Je vois que ça, hein. J'arrive même pas à le faire. Non, mais j'y arriverai pas. Non, mais en fait, il faut débloquer un pouvoir. Je sais pas lequel. Ah, mais oui, c'est là qu'on était. Je me rappelle. Et là, on avait vu la pierre noire, on avait allumé et ça avait pas marché. Et on avait dit, bah, RDV secteur... Ah, donc il y a bien des murs qui s'ouvrent comme ça. RDV secteur de direction. On se rejoint là-bas, bisous. Secteur exécutif, ils appellent ça. Attends, moi j'ai envie de regarder mes missions parce que... Ah, j'ai eu du nouveau truc. Coup d'esquive, ok, moins 12, mission.
Ah! Exécutif. Ah bah, je vais y aller. On l'a vu, ça? Ah non. Résonance, c'est la clé. Des vibrations. C'est lui qu'on cherche. Casper Darling. Toutes les ondes. Des champs dont, nous ignorons tout. Pure physique. Tous ces champs en interaction complexe, modifiant la réalité qui entre en contact avec eux. Le polyèdre communique avec moi. Il essaie de me prévenir d'un événement proche. J'ai essayé toutes les méthodes connues d'analyse de données. Et tout en m'y exposant, je vois des choses. Et je reviens à bout par l'effort. Et ce ne sont pas que des données, c'est une protection bienveillante. Nous sommes sur le point d'être exposés à un type de... Ouais, il savait, hein. Mais comment il savait ? Hostile, viral. Il a une cravate, on dirait qu'elle est douce. En tissu, genre. En tissu doux, en coton. Se servir de la protection du polyèdre. Et éviter de se faire pulvériser. Ok. Analyse de l'objet altéré numéro 52AE. Mais ça, c'est le. C'est le canard. Je commencerai par. Oui. Ah, on m'a appelé. D'accord. Yo. Si 5. Allez. Il y aurait ce message. What the fuck? What the... What? Faut que j'aille à la salle du courrier. What? What is happening? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu X? Traquer les amas de Is pour éliminer leur capacité de guérison. Oh merci le jeu! J'avais jamais su. Allez, go. Faut qu'on aille à la salle du courrier. Merci. Bon, allez, on va essayer de s'en sortir cette fois-ci. Parce que les deux fois où on a essayé de le faire, deux fois on s'est fait avoir. Hein, donc, bon. On peut ouvrir ça maintenant. What? Ça en haut, il y a que des post-it. Il y a un mec, il a posé un post-it sur son bureau, puis il s'est multiplié. D'accord. What the fuck? C'est vraiment un jeu. En fait, c'est vraiment un jeu SCP. Hein. Il n'en a pas le nom, mais il en a la couleur. C'est vraiment comme dans SCP. Passe le même genre de conneries. Ok, c'est là. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça t'apprendra ça. Sur qui il tire? Sur qui il tire? Un truc.
Ça, c'est dur. Ils sont où ? Là. Il y a une boule ! Il y a une boule ! Il y a une boule, elle est où ? Elle est là ! Là, c'est dur ! Elle est où la boule ? Mais elle est où la putain de boule ? Ah ! Voilà, là on va pouvoir commencer à se battre. Oh le bordel! Il est où? C'est bon? C'était chaud. Ça va? Ça, c'était chaud de fou là. Bon, c'est bien démerdé. J'ai l'impression de m'améliorer en combat, ça me plaît. C'est quoi ça? Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée. Mais ça, c'est Liquid Snake ça. Bah, allez, on trace. La hotline. Je pourrais là. C'est avec le regret que je vous annonce que le décès d'Otfried Grampot dans l'exercice de ses fonctions la semaine dernière. Bien que les circonstances exactes de sa mort soient classées secret défense, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il a péri au service de son pays, vous pouvez être fier de son courage face aux dangers et de son dévouement à la protection de son pays contre ses ennemis. Ses camarades et ses collègues ne l'oublieront pas. Je regrette sincèrement de vous apporter de si funestes nouvelles. Sachez simplement que son sacrifice a permis de protéger le pays qu'il aimait tant. Ses effets vous seront remis dans les plus brefs délais. Veuillez agréer l'impression de ma sympathie les plus sincères. Howard Jim Murray, sous-directeur des communications, Bureau fédéral de contrôle. Le FBI. Containment Breach. C'est moi! Directrice Faden, c'est moi! Moi, wesh. C'est nul! Ça c'est bien. Ça c'est bien ça. On n'a rien à foutre ici. Ces choses butent nos camarades pendant qu'on garde ces cols blancs.
T'as entendu, Marshall? Faut agir intelligemment. Le bureau tout entier est occupé par ce truc. Et alors, plus on glande ici, plus ça va être là. Oh non, quelqu'un a pris une lance-roquette. Oh, Marshall va tuer. Les altérations physiques des organismes corrompus par le Hiss varient beaucoup. Quel est le lien? Compétences linguistiques. Des chercheurs étaient envoyés pour en transcrire le champ exclusif répété par les entités du Hiss. Pour des raisons de sécurité, ils n'ont écouté que des flotteurs du Hiss non agressifs. En outre, aucune différence n'a été remarquée entre leur champ et celui des entités du Hiss plus violentes que nous avons rencontrées. Quel est le but des répétitions de ces arrêts de mots? Est-ce ainsi que le Hiss corrompt les individus? Le champ procure-t-il un effet physique ou un message ou une incantation? Nous avons pu enregistrer une récitation du champ en direct, consulté en enregistrement audio correspondant. Le dossier contient le rapport complet. Jesse. Darling a laissé de nombreuses traces, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Où est-ce qu'il est passé? Probablement dans son bureau, dans la recherche, ou peut-être dans un de ses labos. Le docteur Darling en possède plusieurs dans tout le bureau. Il pourrait se cacher dans n'importe lequel d'entre eux. J'irai bien vérifier, mais je n'ai pas accès à la plupart d'entre eux. Je crois que j'ai touché un point sensible. Vous n'êtes pas admise dans ces labos? Pas tous, non. Certains contiennent des substances dangereuses, ridicules. Tout est dangereux ici. Il aurait au moins pu inventer un meilleur mensonge. Comment je peux travailler si je n'ai pas accès à toutes les données? Mutation du bâtiment. Cet endroit est en constante évolution, pas vrai? Oh, vous avez remarqué les mutations. Vous saviez qu'elles étaient responsables de 39% des accidents du bureau? C'est le cas. J'ai fait les calculs moi-même. Donc, elles sont dangereuses. Oui, très. Un jour, un requin est apparu dans une salle de réunion avec plus de 7000 litres d'eau. C'était un requin-tigre, l'un des projets de recherche préférés de Darling. J'en ai oublié le but, d'ailleurs. Comment les gens arrivent à travailler? Vous disiez être assistante? Ce n'est qu'un titre. Je suis une scientifique, une vraie chercheuse. J'obéis au docteur Darling. Lorsque des agents du bureau partent enquêter sur des événements d'altération de monde, nous étudions les matériaux et objets altérés qu'ils rapportent. Il s'agit toujours de choses que nous n'avions jamais vues. Et leur étude nécessite de nouveaux instruments, une méthodologie, parfois de nouveaux domaines scientifiques. Emily aime vraiment son boulot. Grave. Vous voyez, il n'existe pas de guide pour ce que nous faisons ici. Tout ce qui arrive au bureau, y compris la science, n'a aucun précédent. C'est quoi, au juste, l'hôtel Ocean View? Oui, c'est une vraie question, ça. Une question bien plus vaste. C'est GTA Vice City, là? Voyez-vous, je doute fortement que l'hôtel soit un lieu unique. Regardez toutes les portes qu'il contient. Où peuvent-elles bien mener? Nous savons que l'une d'elles mène à l'ancienne maison, mais comment se fait-il que nous n'ayons pu ouvrir que celle-là? Peut-être que pour ouvrir une porte, il faut l'emprunter dans l'autre sens. Donc, si chaque porte mène à un différent plan, dimension, réalité, ou ce que vous voulez, l'hôtel est bien la preuve que les univers parallèles existent. Et Darling est d'accord avec vous? Je ne lui ai encore rien dit. J'attends de pouvoir le prouver. Vous pouvez m'en dire plus sur les points de contrôle? Ouais, c'est vrai, ça c'est quoi ce bordel? Ce sont des points de liaison des énergies uniques de l'ancienne maison. J'ai écrit une étude de 30 pages qui indique qu'en théorie, nous pourrions siphonner directement leur énergie. Darling a rejeté mon idée avant même d'avoir fini la première page. D'accord. Et Ok, Darling est chelou quand même. Quelqu'un s'en est déjà servi pour se téléporter? Quoi? Non. Physiquement, vous voulez dire? Non. Pas que je sache. Pourquoi? Parce que... moi, j'arrive à m'en servir pour... Quoi? Vraiment? Oh mon Dieu! Des examens! Les examens devront attendre un peu, d'accord? D'accord. C'est juste que... ça fait revenir en force ma théorie sur les points de contrôle. Je suis ravie. Ok. À bientôt. Donc je fais des trucs exceptionnels. Ils ont jamais vu ça, hein. C'est ridicule. Pope se berce d'illusions. Pourquoi?
Si le Is est une fréquence, il devrait pouvoir faire vibrer les molécules pour altérer la physiologie humaine. Ça expliquerait la perte de cheveux. Réfléchis. Ouais, ça c'est fort. Il m'en reste deux. J'aimerais bien faire plus de dégâts au corps à corps aussi. Il faudrait une précision. Bon, le sniper, oui. Donc inimaginable pour ça. J'ai quoi comme mission là? Ah attends. Comment ça? Tenue. Faudrait que je fasse basculer mes sauvegardes sur la version Game of the Year parce que là c'est la version standard. Avec tous les DLC là. Attendez, parce qu'en fait j'oublie ce que je veux faire. Moi c'est ça que je veux faire en fait. On va aller les tâches de maintenance parce que je comprends pas trop ce que le jeu attend de moi en fait. Oui le chat. Excusez-moi. Permettront de sauver des vies, dont celle de Dylan. Quand je l'aurai trouvé, tu pourras le protéger, comme moi. Allez, go. Juste vérifier si on peut aller quelque part à gauche là. Purée, c'est lock. Ok. Pardon. Oh la vache. Ok. C'est plus ou moins un sniper. J'aime trop les effets de particules. Hein. Franchement, c'est vraiment trop bien fait en fait. Je sais pas comment ils ont fait en plus. Peut-être ils ont développé un truc spécial, leur moteur y est fait pour. Je sais pas. On peut toujours pas accéder ici? Ah non. Hein.
Ah. J'avais pas compris ça. Mais ça, il fallait me le dire, ça, parce que j'avais pas compris ça, moi. Donc, on peut accéder aux endroits où il y a le hiss si on détruit les spots. Ok, putain, j'ai dû regarder une solution. Parce que je comprenais pas. Je ne souhaite déposer une plainte concernant l'utilisation non autorisée de ma voix pour un usage auquel je n'avais pas donné mon accord. Je n'avais pas du tout été averti que ce que je pensais être une répétition allait être utilisée. Si j'avais été, je n'aurais pas été autorisé. J'aurais pas utilisé. Oh, bref. J'ai vu que l'emploi des messages enregistrés durant les manœuvres des soldats cesse immédiatement. Je ne tolérerai pas d'être humilié devant mes pairs. Si nécessaire, je me dresserai aux ressources humaines. Signé, Randall Pulaski. Donc ici, on est à l'entraînement. Ok. Donc je peux lire ça. Bienvenue sur le parcours d'entraînement militaire. Le parcours doit être terminé dans le temps imparti. Quand vous serez prêt à commencer, appuyez sur le bouton. C'est tout ou... J'ai toujours adoré les parcours d'obstacles. Préparez-vous, soldats. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon, j'imagine que ça fait pas vraiment partie du truc. Qu'est-ce que cette merde? On se protège. C'est trop bien fait. Ok. Bouclier. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais ça, il me le fallait de suite, ça.
Ok, c'est bien. Ça peut nous protéger des tirs. Très 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 bon bail. Coffre fort. Ok. Faudrait que j'aille voir ça aussi. Hourra pour le bouclier. Voilà. Le tir chargé, c'est vraiment fort en fait. Par contre, je suis en train de me dire que je pense qu'on peut avoir que deux slots d'armes. Qui est ça? Comment je sors d'ici? Ah ouais, ok. Nice. Salut. Ok, au moins ça c'est fait. Ensuite. Donc faut que j'aille. Alors le truc à X-ray là. C'est au labo d'hypnose. Dans le secteur de recherche. C'est moi si je peux avoir des pouvoirs, ça me va hein. Moi je veux des pouvoirs. On va faire les quêtes secondaires parce que ça a l'air de rapporter des pouvoirs quand même assez cheatés. Le bouclier, bon. Si je l'avais eu avant, ça aurait été pratique quand même. Comme par hasard. Il y a des gars. Ah bah oui. Mais où? Il sort d'où, en fait, le Earth Rocket? Je comprends pas. Y a pas de Earth Rocket. Donc, le note à moi-même, le bouclier ne protège pas du Earth Rocket. Vous êtes qui? Vous débarquez souvent dans les espaces de travail privés des autres? Je suis ton patron.
Elle sait pas à qui elle s'adresse, c'est clair. Vous ne devriez pas être à l'abri. Pourquoi ? À cause de ces histoires de Hiss dont les soldats n'arrêtent pas de parler ? Vous n'avez pas encore résolu ça ? Le problème que nous avons ici pourrait sonner le glas du bureau. Ah, c'est ok, si, c'est qui je suis. Pardon. C'est de cette mousse que vous parlez ? C'est exact. Vous pourriez peut-être m'aider. J'ai besoin d'échantillons de certaines souches de la mousse. Et l'environnement est devenu trop dangereux pour que j'aille les chercher moi-même. Des échantillons, vraiment ? Et ça va pas sonner le glas du bureau ? Si, c'est bien ce qui va se passer. La mousse se propage. Nous devons trouver la source avant qu'il ne soit trop tard. Et des échantillons vont tout résoudre ? Non. Des échantillons de 5 souches uniques mélangées correctement permettront de s'aventurer plus loin, là où se trouve l'emplacement estimé de la source de la mousse. D'accord. Ils ressemblent à quoi, ces échantillons ? À ceux qui se trouvent sur ma table, ici. J'ai fait une liste des échantillons nécessaires. Tenez, vous les trouverez dans la lisière. Je m'en occupe. Au fait, je m'appelle Jessie. J'en suis ravie. D'accord. Qu'est-ce que vous savez sur le Hiss ? Comment est-ce que je pourrais savoir quoi que ce soit sur une entité que nous venons de découvrir ? C'est exactement le problème du bureau. Mon travail est sans cesse interrompu par ces problèmes superflus. Calmez-vous. Gardez votre ARP et je suis sûre que tout ira bien. Cette chose grossière ? Je pensais qu'il ne s'agissait que d'une blague de Darling. Pas vraiment. Restez baissés pendant que je m'occupe du Hiss. Donc, c'est quoi la lisière en fait ? Elle vient d'où la mousse ? Nous n'avons pas de nom pour la dimension de la lisière. Le point d'origine a été identifié, mais la densité du champignon prévient tout accès. Si c'était possible, et selon mon hypothèse, nous n'y trouverions qu'une réalité inhérente au champignon, en totale décomposition. Son enthousiasme est troublant, pas vrai ? Et la mousse, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que vous savez sur la mousse ? D'abord, le terme mousse est d'une simplicité grossière qui ne sert qu'à faciliter la communication. Ceci étant dit, la mousse semble être le produit de micro-organismes particulièrement complexes. Ils sécrètent la mousse. Ils construisent des structures comme des villes miniatures, colonisant rapidement notre dimension. Quant à la vitesse de ces petits ingénieurs, malgré leur taille, stupéfiante. Elle kiffe la mousse, hein. Elle pousse vite. Bon, si vous ne voulez pas m'écouter, pourquoi me demander ? Ça fait longtemps que vous travaillez au BFC ? Pas assez longtemps pour comprendre leur méthodologie inepte. Ils veulent que je résolve la mousse, mais comment peut-on résoudre quoi que ce soit alors que la structure moléculaire de ce champignon est un mystère ? Pardon, c'est à moi que vous parlez ? C'était rhétorique. Le bureau veut contrôler, pas comprendre. Mais pour vous répondre, je suis une chercheuse aguerrie de la lisière qu'on a amenée ici à titre provisoire pour résoudre ce problème. C'est par ça qu'il fallait commencer. Elle vient de la lisière. Ça fait longtemps ? Pas assez longtemps. Je résoudre. Mais pour vous répondre, je suis une chercheuse aguerrie de la lisière qu'on a amenée ici. Ouais, c'est ça. Il faut que j'y aille. Donc c'est le docteur Darling qui veut qu'on fasse une enquête sur la mousse, ok. Ok, elle est pote avec Darling quand même. La sous de ma gueule ? Mais c'est des gens, ça ?
BBQ, what the fuck, cet endroit. Et qui me fait du mal? Je prenais des dégâts d'où? L'environnement? Le sol fait mal. The fuck? Oh vas-y, ça saoule ça par contre. En fait, c'est bien perforation, mais c'est moins bien qu'un rotation ou qu'un prise. Moi, ce que je... bon, c'est quoi, on va faire rotation prise. Ok, c'est bon. C'est maîtrisé. Ok. Là, il y a des endroits où on n'est pas allé déjà. Les INTP. Mais surtout, il y a quoi là? La boue de synchronicité. Ta-ta-ta. D'accord. D'accord. Il s'est passé quoi ici? Test du miroir. Faut être le 6 de clearance, what the fuck. Je suis filmé là. Hein. En guise d'expérience, des écrans de télévision étaient placés dans plusieurs endroits dans le monde, dans les pièces décorées de la même façon. La théorie voudrait qu'en donnant le même décor à chaque pièce et en réglant toutes les télévisions sur la même chaîne, sauf une, celle qui était différente s'alignerait sur la fréquence de réception des autres afin de rendre la synchronicité formée par les autres. L'expérience semblait être un échec jusqu'à ce que tous les agents responsables de l'arrangement et de la surveillance des pièces se mettent à montrer les mêmes troubles émotionnels qu'un membre de l'équipe diagnostiqué dépressif se trouvait dans la partie est de... Un examen psychologique des agents a prouvé la corrélation. Le phénomène de synchronicité s'est donc produit, mais pas de façon prévue. Les caméras s'allument quand je passe à côté. Quelqu'un m'observe. Je ne sais pas qui c'est par contre.
Quelqu'un m'observait dans la pièce d'avant. J'ai pas ouvert ça. Bah non. Damn. Chance et probabilité. Les caméras me suivent toujours. Hein. Pourquoi se faire chier ? Y a des méchants. Labo d'hypnose. Je le vois. Un autre objet de pouvoir. Ils sont tous plantés là, comme fascinés. Bizarre. Ah mais j'ai pas le code. Je pensais pas qu'il y avait un inventeur. Regardez que les deux et les trois pour l'instant. J'ai pas le code. C'est ça ? Oui, c'est ça.
The fuck is that? Nous sommes dans le plan astral. Utilisez saisie pour remporter le défi du plan astral. Mais c'est mes potes! C'est mes potes! Putain, je peux posséder les gens. Et il y a une portée quand même. Donc je peux manipuler les gens. Ah bah merci les gars. C'est plaise. Et du coup ils sont morts eux. Ok. Veuillez vous identifier pour... Veuillez vous identifier pour l'enregistrement. Paul Warren, astronaute de première classe. Et vous êtes conscient que l'exposition au plan astral peut conduire à la mort, au handicap, aux blessures, au démembrement, à l'effondrement cognitif, à la schizophrénie et à la démence partielle ou totale? Ouais, je sais. Et vous reconnaissez que l'utilisation que vous ferez du conduit astral, appelé le caisson... What the fuck? ...est entièrement volontaire? Oui, bien sûr. Parfait. La combi est OK? Ouais. Très bien, vous êtes prêts. Ouvrez la porte pour Monsieur Warren, s'il vous plaît. Leurs cerveaux ont été grillés quand j'ai pris le contrôle de l'objet. Ah merde. Il bouge. Il est vivant. Je déconne. Ok, donc on peut posséder les gens en mode manipuler. Ok. Ok. Bon, bah allez. Hein. Oh, c'est naze. Ici aussi, je vais supprimer les 1. En fait, les 1, c'est vraiment de la c'est naze. C'est ça le truc, c'est que les 1, c'est vraiment naze. Ah, dégâts à la tête plus 60, j'avais pas vu ça. Ça fait plaisir. Manipuler les groupes, hein. Non. Oh la vache. Allez, on se bat ensemble.
C'est parti les gars. Oh yes, ça c'est bien. Je peux contrôler les mecs qui volent aussi. Putain, ça c'est bien par contre. Ça c'est vraiment bien. Je peux contrôler. En fait, je peux contrôler tous les ennemis qui sont pas énormes en fait. C'est super. C'est bien pensé. En vrai, c'est super bien pensé. Ah, j'ai looté le truc. Ouais, c'est naze. Ah si, attends. Mais c'est lock à mon truc ou c'est dans tous les trucs ou c'est tous? Non, c'est que pour perforation, ok. Nickel. Faudrait que je débloque les améliorations de ça. Ah bah attends, j'ai des... Ah voilà. Voilà, c'est ça moi que je veux. Plus 10% de la puissance du bouclier. Bah on va le débloquer ça vaut. Hein. Pareil, les trucs qui valent 2, on va les débloquer. Allez, je voulais ça. Oh nickel, nickel. Très très bien ça. On est très très bien dans notre game. Et là il manque une compétence. Qui est, je l'espère, la compétence qui sert à voler. J'espère. Donc c'est ici qu'on améliore pour avoir les slots. Il peut de la pulsion rituelle, mais je ne sais pas ce que c'est. Déplacement rapide. Attends, on a quoi comme mission? Moi, c'était ça que je voulais faire. Ok. C'est au département de recherche. Dans la lisière active. C'est quoi ça, recherche centrale? Le fait de pouvoir contrôler les ennemis, c'est trop fort. En fait, il y a toujours moyen de s'en sortir dans tes fights. T'as toujours moyen de soit foutre une pierre sur la gueule d'un mec, soit... putain, c'est vraiment bien foutu, en fait. C'est juste bien foutu, c'est fou. Hein. T'as toujours moyen de te dépatouiller.
Théodore H. En fait, ça pousse à vraiment bien se battre et tout. C'était bien foutu, en fait. Et puis, c'est satisfaisant quand t'arrives à... C'est un peu comme une danse, en fait. Et c'est super satisfaisant, en réalité. C'est fou. Bon, la carte est un peu mal branlée. Ça, c'est le seul truc que je dirais sur le jeu. C'est que la carte est un peu à chier, mais bon. On peut pas tout avoir. Donc, ah non, ça, c'est le bureau de... C'est le bureau de qui, ça? Mais ça, c'est censé être le bureau de Darling. Donc ça, là, le truc qu'on voit. Des questions récemment sur les ARP. Mais c'est quel pied... Il est dans quelle zone? Faut-il les porter en permanence? Parce que s'il tourne dans son bureau, c'est bizarre. Hein. Il ressemble pas du tout à son bureau. Après, tu me diras, peut-être ça a changé parce que le bâtiment a bougé, etc.